Salut tout le monde, c'est Joe. On se retrouve aujourd'hui, eh bien, pour une technique de pêche que j'ai appelée la pêche miraculeuse, parce que vous allez voir que c'est vraiment une dinguerie ce système. On va se retrouver ici, eh bien, au nord de Blackwater. On est tout juste à côté, comme vous le voyez. On va devoir aller sur le petit îlot que j'ai mis en repère. C'est vraiment au milieu de cette crevasse. Vous avez plusieurs accès qui sont le long. N'hésitez pas, peut-être même dans les commentaires, si à la suite de cette méthode que vous allez donc comprendre avec cette vidéo, si vous trouvez d'autres points de spot où il est possible de provoquer ce petit effet, n'hésitez pas en tout cas de nous en faire part dans les commentaires. On ne manquera pas de passer l'info. En tout cas, ici, on va donc avoir besoin d'une biche, comme vous le voyez. Nous, avec l'équipe, on a carrément débusqué une biche 3 étoiles, mais ça a peu d'importance, du moment que je vous conseillerais de prendre la biche, c'est ce qui marche le mieux. Les autres choses marchent aussi, mais vraiment, la biche, j'ai cette préférence pour elle. Ici, vous allez donc vous retrouver sur ce petit îlot, vous allez devoir aller au bout de cet îlot, et vous allez devoir monter sur ce rocher comme repère pour pouvoir effectuer 3 pas dans cette zone et déposer la biche ainsi. Je vous montre dans un premier temps ce que vous devez faire. Vous devez d'abord monter sur le rocher, vous mettre accroupi, limite, et ne plus bouger. Ou vous pouvez seulement bouger la caméra. D'accord? Les gens ne bougeaient pas le joueur, cela ferait peur au poisson. Ici, c'est l'exemple donc quand je pose mal la biche. Vous voyez qu'elle est un petit peu trop à gauche. On va la récupérer puisque là, aucun poisson n'est donc attiré comme vous le voyez. Nous, ce qu'on va donc chercher de faire, ça sera de la replacer correctement parce que ce n'est pas au millimètre près, mais il y a quand même une position adéquate à obtenir, pardon, pour que les poissons puissent être attirés. Donc, c'est super important. Que vous puissiez le placer correctement. Et c'est pour ça que dans l'enregistrement de cette vidéo, je me suis rendu compte que ma biche au premier abord n'était pas bien placée. Alors, autant en profiter. J'ai gardé cette vidéo pour pouvoir vous montrer justement que ce n'était pas patché au cas où si vous n'y arrivez pas au début, qu'il y avait un petit coup de main à prendre pour vraiment l'emplacement tip-top. Ici, vous voyez donc que je recommence. Je me remets sur le rocher. Je vais procéder à ces 3 petits pas que je vous ai décrits. 1, 2, 3. Et là, hop. Je la dépose. Elle est donc un petit peu plus à droite, elle est un petit peu plus au milieu de cette fin d'îlot. Et là, vous allez voir que au bout de quelques secondes, les premiers poissons arrivent déjà. Et c'est là où ils vont s'accumuler. Vous pourrez en accumuler, dirons-nous, au moins déjà une vingaine de toute espèce autour du cadavre de la biche que vous aurez utilisé. Au bout de cette vingtaine de poissons, je vous conseillerais d'aller les ramasser. Et vous pourrez même remarquer que même pendant que vous ramasserez les poissons, eh bien, ça continuera de passer devant vous, de se mourir, et vous pourrez ainsi de suite, eh bien, les récupérer. C'est vraiment une dinguerie. Ça marche jour et nuit. Il n'y a pas vraiment d'horaire spécial à avoir. Désolé si je n'ai pas accéléré, mais vous verrez qu'au bout de ces donc 30 secondes, on dira, et eh ben là, après, c'est le vrai défilé. Là, il y a les brochets qui sont déjà, c'est apparemment donc le deuxième ou le troisième qui commence déjà à s'échouer. Ça y est, c'est fait. Et là, vous allez voir qu'il y a d'autres poissons qui vont s'en mêler, qui vont arriver. Et ça va être la cohue d'ici quelques instants. J'espère que cette méthode, en tout cas, vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, elle m'a bien plu, donc j'ai tenu à vous la présenter. Et j'espère qu'elle pourra vous faire amasser autant d'argent que chez nous, parce que je peux vous dire qu'avec l'équipe, on est en train de se faire un max de dollars, étant donné que c'est pas un glitch, c'est pas une vraie triche, donc ils peuvent rien nous dire, c'est de la chasse et pêche. Voilà, on est sur une méthode, comme vous le voyez, les poissons, ils sont en train de s'échouer juste devant nous, on n'a plus qu'à les ramasser, ils seront d'une qualité optimum, de 3 étoiles, donc on pourra les revendre à un prix au top, et vous allez voir que c'est vraiment super enrichissant. En tout cas, si ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, avec l'équipe, on vous dit à la prochaine, amusez-vous bien et ciao ciao.